Salut, ouais, voici Captain Fleur de Spookin sur notre champion MC, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est un peu que, comme à chaque année, c'est posez-moi vos questions. Oui, c'est sur la vidéo concrètement. J'aimerais ça que vous me posez vos questions et je vais y répondre le 6 octobre. La date de cette année, ça va faire 6 ans que ma chaîne est active. Quand même 6 ans, ça sent bien, hein? On s'entend? Mais, pour faire à chaque année, je fais une vidéo dont je réponds à vos questions. Donc aujourd'hui, posez-moi vos questions pour que je puisse répondre à vos questions. Et ouais, c'est comme ça fonctionne cette vidéo à chaque année. C'est juste pour vous dire ça, mais je vais en profiter pour dire autre chose. Depuis, on pourrait dire le mois de juin, depuis que les magasins sont ouverts, juin-mai, j'ai quand même pas mal investi. Vous avez pu voir, avoir une vidéo pour une caméra, la XA11. J'ai investi encore plus. Je me suis pas arrêté, j'ai acheté une autre pile, j'ai acheté une tube pour ça. Et du fil XLR. Ouais. Mais j'ai pas juste acheté ça. Il y a peu de temps, j'ai acheté une Nintendo 64. J'ai acheté aussi une Game Capture. Donc vous avez pu voir un aperçu de Pokémon XD sur GameCube. Chose que j'avais déjà. Mais Nintendo 64, je ne l'avais pas. Et j'en ai acheté une. J'ai acheté aussi des jeux Pokémon sur Game Boy adapté pour la 64. Et j'ai acheté littéralement une Game Boy Color et version Pokémon. Oui, j'ai vraiment acheté ça. C'est une Game Boy qui est quand même assez rare en soi, mais j'ai acheté ça parce que ça me tentait. Quoi d'autre? J'ai même acheté une console de son, mais qui est une carte audio qui peut me permettre d'enregistrer avec un micro, littéralement. Bon, dans le fond, ceci c'est pour remédier à la situation de si j'enregistre sur une console. La Game Capture, c'est pas fait pour enregistrer les voix, ça va mal. Pour ce fait, j'ai dû acheter une carte audio. J'ai acheté un trépied avec ça et un micro pour pouvoir avoir une quand même assez bonne qualité. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer avec le micro de studio. Mais qu'est-ce qu'il était encore à faire? Tout simplement pour pouvoir essayer de. Je sais pas tenter quoi là pour que je puisse entendre l'audio de l'ordinateur littéralement, puis que je puisse enregistrer l'audio de du micro. Exemple, des deux micros ce serait pas pire, mais j'ai encore ça à faire là. Des tests là. En ce moment, ce qui me reste à faire, c'est acheter un affaire, c'est de un séparateur audio, ben, pour que je puisse écouter en stéréo puis non en mono. Donc, quand j'ai acheté deux jack un adapteur un corps un 8 qui va directement à sa console, mais pour ce fait il me faut que je puisse écouter les deux dans les deux oreilles. Pour ce fait il me faut un adapteur. Ça, c'est un détail. Comme je dis, il me reste encore quelques petites choses à faire pour être optimal dans mes affaires. C'est ça, j'ai pas un compresseur ou quelque chose de même. Ça, ce n'est pas pressant. Je suis capable amplement de me débrouiller avec ça. Si vous vous demandez c'est quoi la console, je vous montre quelques images de tout ce que j'ai acheté récemment de toute façon. La console, c'est une console à deux ports XLR. Donc je peux avoir deux micros XLR qui peuvent être bien.
Exemple, je sais pas, exemple, j'ai quelqu'un. On peut parler avec deux micros, simplement. De toute façon, je peux contrôler si ça va d'un bord ou de l'autre, ou tout simplement les deux. En c'est une console audio qui est adaptée pour que ce soit une carte. Adaptée USB pour que ce soit une carte audio. C'est ce que je dis. J'avais même acheté aussi un clavier Corsair dans les débuts là, qu'on a pu commencer à magasiner tout ça. J'ai pu acheter ça, c'est avant que les centres commerciales ouvrent, bien sûr, puis que les marchés aux puces rouvrent. J'ai acheté un clavier Corsair, un K55 RGB. Si je me trompe pas, ouais, je me suis acheté ça parce que je peux au moins voir le lettrage, au moins, contrairement à mon autre. Ah oui, sachez que si vous voulez, pour tous ceux qui veulent enregistrer une console, sachez que ce n'est pas un émulateur, c'est vraiment la console, littéralement, que vous voyez l'image de la console. Sachez que si vous voulez ceci, faire ceci plutôt, vous devez avoir un adaptateur. RCA HDMI pour faire ceci. Pour ça, on connecte ça USB. Et voilà. Ah, pour ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais répondre le 6 octobre. Puis, c'est ça. J'ai pu vous dire qu'est-ce qu'il y en est de mes achats. Ça me coûte cher. Mais au moins, j'aurais pas à faire ça pendant un petit peu, quelques années. C'est acheté. Mais en ce moment, c'est acheté. Puis c'est acheté pour un petit bout. Ah, pour ça! Et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'essai. Faut toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Faut toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Ah, pour ça, je vous dis. Merci à tous.